Hola! Hola à tous! Et bon comeback sur Anima Gaming FR et sur AER Memory of All pour probablement le dernier épisode. Pas que je n'ai pas envie de continuer le jeu, mais le fait est qu'on arrive à sa fin. D'ailleurs, j'ai remarqué juste avant de lancer le jeu que j'avais débloqué pas mal de défis en mode ouais, vous avez visité toutes les zones de la map, tout ça. Donc effectivement, je crains qu'il n'y ait plus beaucoup de découvertes à faire. Enfin, il nous reste encore un grand temple. Et le boss final, il me semble. Mais c'est pour ça, en fait, ils disent que j'ai débloqué que 12 succès sur 20. Mais je vois, il y a plein de succès déjà que je débloque. Finalement, seulement moins d'un quart des joueurs ont débloqué, quoi. Après, est-ce que c'est encore ce genre de jeu? Je vais pas mentir, hein. Moi je fais aussi partie de ces gens parfois qui achètent des jeux à moins 90% parce qu'ils voient une promo, tout ça, et qui jouent que 1 ou 2 ans, voire peut-être même plus après. Il y a des jeux que j'ai achetés, j'y ai jamais joué. Et je sais que je vais y jouer un jour, par exemple les The Guild, les trucs comme ça. Je sais que je vais le faire. Là, en plus, il n'y a pas de deal derrière, en fait. Là, c'est vraiment en mode, j'ai tout visité, on va l'entrer. Alors, on essaie de passer par le petit tunnel. Ouh, est-ce que ça passe? Oh, j'ai les ailes bien écartées. Olé! Non, mais en plus, c'est un bon jeu pour parler de cette période. Parce que, bon, allez, on va commencer par les choses positives et tout. Je dois avouer, bon, ça concerne aussi une chose négative. Vas-y, on va voir d'abord s'il n'y a pas de texte ou quoi que ce soit et on commencera après. Parce que ça peut aussi bien me raconter une histoire comme juste me donner une clé ou s'ouvrir. Mais en gros, enfin, je suis désolé, mais je trouve que ce qu'on fait par rapport au conflit en Ukraine est très mauvais. Parce que je pense qu'à la fois, soi-disant, on est là pour la désescalade, et je suis pour la désescalade, honnêtement, pour vraiment essayer de trouver un compromis, quoi que ce soit. Mais finalement, avec les sanctions économiques qui mèneront à rien, la désescalade, elle est limite impossible. J'ai fait le tour en bas déjà de l'île. Et je trouve ça regrettable, en fait, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on parle de on veut la désescalade alors qu'on s'en fout. Et pareil, il faut dire ce qui est militairement, on est en mode vas-y, on met tous nos. On n'envoie que quelques troupes et on les met à la frontière de l'Ukraine, comme ça, en fait. On vous regarde, qu'une fois de plus, j'en ai déjà parlé, on vous soutient moralement l'Ukraine, mais ça s'arrête là. Donc je trouve ça vachement hypocrite et dégueulasse. Mais pour les réfugiés, je dois avouer, aujourd'hui, il y en a eu 800, par exemple, qui sont arrivés. Tu sens vraiment qu'il y a un élan de solidarité. Et pareil, je vais pas jouer les hypocrites et dire, ah, je vais donner plein de thunes au Resto du Cœur, parce que, je vous cache pas, en gros, je vis chez mes parents, mais je suis plus ou moins un clochard, quoi. Donc, j'ai de quoi survivre, je me plains pas. J'essaie de coûter le minimum à ma famille, donc je me paye mes repas, mes sorties, mon essence, mes assurances, mon téléphone, les conneries comme ça. En gros, il n'y a qu'Internet que je paye pas à la baraque. Pas de loyer, pas d'Internet, mais bon, pas de loyer, je demande pas d'APL, donc à partir de là, voilà, je pourrais aussi avoir un appart si je voulais, mais je suis très bien comme ça. Et en gros, donc je vais pas mentir en disant ouais, je vais faire plein d'offres. Si je peux donner un petit peu, pareil, quelques conserves et tout, je donnerai au Resto du Cœur. Mais dites-vous bien que cette année, ça contient. Ah, en plus des SDF habituels des Restos du Cœur, ça va probablement aider beaucoup de migrants ukrainiens, sachez-le. Et c'est une bonne chose, hein, je dis pas ça en mode ah, la migration et tout. Non, j'avoue qu'au début, on espérait un conflit rapide en mode, ouais, espérons qu'ils pourront rentrer vite chez eux. Là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que, bon, je pense pas que ça va aller dans la durée, mais effectivement, c'est en mode, faut aussi qu'ils puissent rentrer chez eux, mais en mode, il faut qu'ils aient encore un pays. Là, les combats sont intensifiés, tu vois, certaines villes, c'est assez chaud, quoi, y a plus rien, c'est rasé, quoi. Déposez-les là. À présent, nous disposons de plus de nourriture que nous en avons l'usage. C'est con parce que j'aurais pu le dire sans le L apostrophe, ça restait la même phrase. Mais c'est vrai que ces histoires, par exemple, de grandes dislocations, tout ça,
C'est à la fois poétique, mais ça fait extrêmement peur. Du coup, ça, c'est une sortie arrière. Je serais curieux de voir, il y a quoi là-bas. Est-ce qu'il y avait une entrée avant, une entrée arrière? J'ai fait un tour sur moi-même sans m'en rendre compte? Non, quand même pas. J'annonce si ça me fait entrer dans une zone où il y a, comment dire, direct des scripts et tout, des vidéos, je quitterai, je reviendrai directement prendre les escaliers. Là, je m'attendais pas à un gros chargement comme ça. Non, ça va, c'est l'extérieur. Du coup, on a visité l'extérieur. Naturellement, on est bien à l'arrière, là, on n'est pas à l'avant, ça j'avais pas vu, je suis pas fou. Peut-être pour la fin. Je suis eu, il y a de la neige. Aujourd'hui, une prêtresse venue de l'extrême sud-est est venue à nous pour nous parler d'une guerre entre la cité d'Urza et d'Homme. Elle se nommait Kara et elle a demandé une audience avec le dieu qui est censé sommeiller ici, le veilleur du voile. Notre maître du parchemin s'est incliné devant elle et lui a dit que s'il y avait effectivement un dieu ici, il devait dormir si profondément qu'elle n'arriverait jamais à le réveiller. Mais Kara a insisté et il l'a laissé pénétrer au cœur du sanctuaire. Elle y a passé 3 jours et 3 nuits, nul ne sait ce qu'elle y a fait. Elle nous a quittés sans un mot, mais son visage était triste et je crains pour l'avenir de notre peuple. Que pouvons-nous faire que d'autre que de garder les textes les plus sacrés de nos ancêtres? Nous ne sommes plus qu'une poignée et personne ne nous croit. Le monde entier est devenu fou, il n'existe aucun remède. Mais oui, bah, en parlant de folie, justement, de dislocation, là c'est chaud, on est vraiment rentré dans une ère. Non, là je ressens, en fait je vais vers l'avant. Non, bah en fait je suis juste ressorti. J'ai eu un bug dans mon cerveau, c'est honteux. Donc on va y retourner. Mais j'avais pas lu les textes, ok. Ouh. J'ai dû faire un 360, enfin un 180 puis un 180 degrés, donc un 360 degrés sans m'en rendre compte et j'ai dû sortir, j'ai dû me dire tiens, bah. Mais effectivement, là on est à une période, bon bien sûr comme d'habitude avec le décalage, j'espère que quand vous regarderez cette vidéo, tout sera arrangé, que rien n'aura empiré. J'espère sincèrement. Parce que c'est une chance sur deux, quoi. Ouais, j'ai fait un 180 à 360 degrés, c'est ça. Je préfère monter, je sais pas, ça m'inquiète de voir cette grande porte comme ça, j'ai pas envie de. Mais effectivement, on savait que la Russie avait déjà récupéré la base de Tchernobyl en Ukraine. Bon, en soi, c'était plus menaçant qu'autre chose. Parce que finalement, à Tchernobyl, il récupère rien. À part être dans une zone radioactive et pouvoir détruire un dôme qui, là, serait plus emmerdant, à mon avis, pour les Occidentaux, les Européens, parce qu'à tous les coups, le gars, il doit pas être con. Il doit savoir que le sens du vent, les courants, les trucs comme ça. Enfin voilà, à mon avis, il faut pas prendre pour plus bête qu'il est, il doit être conscient de ce qui arriverait pour lui et pour nous. Mais ce qui a été très étonnant aujourd'hui, c'est qu'il a bombardé, avant de la prendre, là c'est un peu plus logique, prendre une centrale nucléaire, effectivement. Au commencement était la rêveuse assoupie dans le froid d'éternité. Elle rêva de tout ce qui est. Elle rêva d'un voile et derrière ce voile, elle rêva du créateur et du monde façonné à l'image d'un souvenir et de son foyer. Le créateur dansa à travers le monde et il souffla les nuages et il y chanta le soleil et la lune afin de leur donner leur corps. Alors qu'il dansait entre les nuages, il exécuta 4 pas et c'est ainsi qu'il créa la terre du nord, de l'ouest, du sud et de l'est. Ensuite, il forma les montagnes et remplit la mer avec de l'eau et des nuages. Donc, pour eux, il y a eu les nuages avant la mer. On sait pas, je me suis posé la question, je sais plus si c'est pendant ce jeu-là, mais il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qui est arrivé? D'abord l'évaporation des nuages ou d'abord les nuages qui a rempli les mers? Et bien, d'après eux, c'est OK. Et de l'humus et de l'eau et façonna les animaux afin que la terre et la mer prennent vie.
de poussière d'étoiles et d'éternité. Donc on est vraiment sur la théorie de l'évolution. Big Bang, pouf, bactéries qui arrivent sur Terre, dans la mer, paf, développement. Et il créa les dieux afin qu'ils parcourent la Terre et qu'ils veillent sur le monde. Donc les dieux seraient arrivés après ça. Ah! Ça, c'est une théorie que je ne connaissais pas. Effectivement, est-ce qu'il y a des peuples qui pensent que, par exemple, il y a d'abord eu, comment dire, les bactéries, les animaux, tout ça sur la Terre, puis des dieux, et puis les hommes derrière? Ah, ça, c'est une hypothèse à laquelle j'avais jamais pensé. C'est à la fois très beau, c'est bien pensé. Bon, je crois qu'on peut sauter d'ici. Et effectivement, récupérer. Après, voilà, là actuellement, la Russie vient d'attaquer, de bombarder et de récupérer une centrale nucléaire ukrainienne. Donc, bien sûr, c'est très dangereux et tout. J'aurais pensé qu'il y aurait des combats autour des centrales nucléaires, parce qu'effectivement, faut pas être idiot. Le fait de pouvoir contrôler l'électricité, des ressources, les zones d'approvisionnement, le ciel, tout ça, c'est des moyens de pression contre un pays. Donc, c'est de la stratégie, c'est pas con, mais apparemment ils ont carrément bombardé une centrale et donc les bâtiments ont pris feu, tout ça, et ils se sont arrêtés à temps pour ça, donc ils ont pris la centrale après, suite au combat mené autour de la centrale. Mais en mode, putain, ils auraient pu créer un Tchernobyl ou un Fukushima, quoi. Et ça, vraiment, c'est, je dois avouer, c'est vraiment chaud à penser, quoi. On doit tous les activer. Ouais. Non, je suis mauvais. Je partais dans les graves, c'est pour ça. Et du coup, faut tout recommencer, il n'y a pas eu le temps. Alors, on va recommencer. Fait que je regarde si ça se relève pas, s'il n'y a pas un délai. C'est peut-être juste décoratif aussi, hein. C'est peut-être juste beau gosse. Donc en bas il n'y a rien, en bas il n'y a rien. On va quand même aller voir s'il n'y a pas une porte là-bas, ça passe à quoi. Non, il n'y a que dalle, tant pis. Au moins je n'aurais plus de doute. D'ailleurs, pour l'avenir, hein, si les gens ils cherchent des traces, là on en est actuellement où notre président a annoncé sa candidature avec une lettre. Pas de débat, pas de discours, rien, une lettre. T'as vu? J'envoie ça aux chaînes de télévisée, maintenant tu te démerdes, tic-tic bang-bang. Quoi, il y a une énigme là que je vais peut-être pas comprendre. Attends, on va tout visiter là. Ouch! J'ai dû me faire une foulure là. Qu'est-ce que c'est? Moi je veux tout visiter, je vois une montée, je vois un renfoncement, je veux aller voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'avais même pas vu le trou. J'étais tellement étonné par la lumière, c'est quoi? C'est un cristal qui flotte? C'est. J'étais en mode c'est un indice, mais. Bon, maintenant, au moins on le sait. Bon, après, même en le sachant, je suis capable de. Ah, t'es monstre. C'était même pas un cristal, en fait, c'était juste une lumière, j'ai bugué sur. Oh là! Oh là, Nima! Récupère-toi, là! Fais de la merde, mon gars, ou du moins tu vois de la merde, là, tu. Ouh. D'ailleurs, si un jour quelqu'un voit cette vidéo aussi, on ne sait jamais, le décache ou ça. Pensez bien, si vous êtes proche du 6 mars, là, moi je dois être le 4 mars, mais vous verrez la vidéo en avril, ou vous tomberez la vidéo beaucoup plus tard. Mais en mode 6 mars, fête des grands-mères. Je sais que ça semble anodin, il y en a plus d'un qui va me prendre pour un con, en mode tu m'apprends rien, je sais bien, je suis mauvais avec les dates. Donc faut bien se dire. Il y a d'autres gens qui seront comme moi et qui se diront Ah, Sartek, mec, c'est bientôt mars, là. Faut que j'y pense grâce à toi. T'as vu, tic-tic bang-bang. Parce que fête des mères, tout ça, je suis vraiment une bille. Fête des mères. Maintenant, il y a même la fête des grands-pères. Avant, apparemment, elle n'existait pas.
Je crois qu'elle a que 2-3 ans, la fête des grands-pères, un truc comme ça. Je crois que c'est vraiment un truc tout neuf, tout récent. Attends, donc faut que je refasse. Il y a un truc d'ouvert maintenant là-bas, ok. Pour le plaisir. Oui. On est bien d'accord que c'est pas la sortie. Ça tombe si c'est l'escalier et la sortie. Attends, on va voir ça. Oh, je crois que c'est ça, c'est l'escalier et la sortie. Faut... Et là, je suis rentré. Ouais, en fait, c'est juste que je suis arrivé dans une autre zone, mais... Le parallélisme, excusez-moi, le parallélisme. Donc on va retourner là-bas et on va retourner sur le côté. On peut remonter. Donc là, ça n'a rien ouvert. Merde, il va falloir que je refasse le tour du coup. Non, je suis passé par là. J'ai ouvert cette porte du coup. Voilà, tout droit. Continuons, continuons. Bon, je sais pas, je vois une petite porte qui s'ouvre. Je me dis, c'est l'indication. Là, je vais me retrouver dans un cul-de-sac. Et bah voilà, et bah voilà. Et mon vélo, il y a des caisses, là, il y a un chemin. Est-ce que je peux... Enfin, ça, c'est technique speedrun, je suis pas censé passer comme ça, si. Non, j'allais dire non, il n'y a pas moyen de marcher sur le mur. Non, 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 je suis perdu à examiner. Lorsque nous mourons, nos âmes rejoignent l'éternité, dont elles sont issues. Nos âmes sont des étoiles que le Créateur a prises pour placer dans nos, pour les placer dans nos cœurs. Ainsi donc, de l'éternité, pour chaque enfant qui naît, une nouvelle étoile descend dans son corps, dont une nouvelle étoile meurt, dis-le, meurt. Pour le remplir d'une lumière éternelle. Ceci dure jusqu'à la mort de son du corps, et à son retour à la poussière, l'étoile s'envole, et à nouveau dans les cieux, par-delà le voile pour rêver. Donc elle ne meurt pas, excuse-moi. Lorsque les dieux nous ont quittés, ils sont partis parmi les étoiles pour y chercher une nouvelle demeure. Et lorsqu'ils l'auront trouvée là-bas également, nous renaîtrons. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Donc il devait bien y avoir quelque chose par là, il devait peut-être de l'autre côté, il y a un autre côté, en bas c'est pas ouvert, c'est sûr. Là, il n'y a rien, c'est sûr. Là-bas, c'est l'entrée. Ça mène à quoi? Il n'y a rien, c'est juste une porte. Une portas. C'est ennuyeux. Tu vas pas me dire qu'il faut... J'ai pas refait les six touches, vas-y, on va refaire les six touches. Ça a fini par m'amener ici. Enfin, je galère. Tu sens qu'il y a un lag. Dès que tu dois tourner beaucoup la caméra, c'est... J'ai essayé un Fall Guys plonge. Mais non, ça plonge pas. Donc là-bas, c'est sûr. Là, bon, bah, on va refaire le grand tour. Alors, on va voir si... Si j'ai pas raté quelque chose d'autre. Donc j'étais monté direct là, c'est vrai. Il n'y avait rien en bas, rien derrière. Mais... J'étais pas allé au bout. À la fin, il y avait une longue chute. Mais ça redescend juste là ou ça redescend ailleurs? On va voir. On va voir. Tout est bon dans le cochon. Non, je voulais faire un truc avec tout est possible, mais finalement, j'ai pas trouvé de rythme. Et je sais pas pourquoi j'ai dévié sur le cochon. Excusez-moi. Chose de cacher, c'est pas possible. Dévoilez-vous, montrez-vous, saltimbanque. C'est quoi ça qui clignote? J'ai vu un truc clignoter là, y a rien qui a clignoté. Bon bah on remonte, on fait le tour. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une porte là-bas? C'est pas de là d'où je suis tombé? Il y a des plaques, il y a des plaques, donc c'est que j'y suis pas allé. Là, je pourrais pas sauter de l'un à l'autre. On va refaire le tour. C'est quoi cette connerie? Pourquoi il y a des plaques que j'ai ratées? C'est sûr, c'est pas Sola. Sola, faut le faire. Ça, je sais pas où ça. Ah, peut-être en dessous. Attends, ici.
Où sont les plaques? Où sont les plaques? C'était pas là. Glitch! Glitch! Bon, pas long. Attends, les deux là. Merde, où elles sont ces foutues plaques? J'aurais dû atterrir. Mais enfin! Si c'était là qu'il fallait que j'atterrisse, c'est parce que j'ai une mauvaise perspective et que je suis con. On y va. On va découvrir néanmoins l'histoire, quitte à ne pas trouver la sortie. Donc, pas celui-là. Au pire, on essaiera celui-là en dernier. On descend là. Et c'était bien par là, il me semble. Mais non, mais c'est. On va faire trou par trou, allez, on passe au deuxième, au troisième, là, le truc, on va voir, on va les faire. Là, il y a une faille spatio-temporelle qui est pas cool. Qui est pas cool? Tentacool? Allez, d'ici, là, j'atterris où? Non, au même endroit, c'est pourri. Donc, on va faire au deuxième saut, maintenant. Parce que je suis pas fou, on les voit, les plaques, quoi, pas là, mais... Elles sont où, déjà? Voilà, là, maintenant, je... Ça va, là-bas, il y a des plaques. Voilà. Donc, là, c'était le troisième, c'est celui que je viens de prendre. Donc, on va plutôt essayer là. Il y a un truc qui me saoule, il y a un truc qui me saoule, il y a un truc qui me saoule. Comment y accéder? C'est pas possible. Parce que de là, je pense pas y arriver. On va le tenter, hein, parce que l'erreur est humaine. Honnêtement, pour moi, d'ici, c'est impossible. Fallait longer un mur ou quoi? Hop! Attends, d'ici, je peux pas. Non, non, y a pas moyen. En plus, pour moi, c'est du genre, il faudrait limite que je fasse un cercle quasi complet. Oh là là, je refais même plus attention. J'ai pas sauté, je regardais ailleurs. Tout ça pour une hypothèse qui est peut-être fausse. Ça fait mal au cul. C'est ça que ressentent les gens qui ont des hémorroïdes. Je peux pas sauter plus loin, ça sert à rien. Allez, dernière chance, j'essaye de coller au mur là, là, voilà. Putain, allez, allez, là, je vais bien trouver un moyen de tomber. Proche du truc, il est où? Elles sont où? Je suis pas retombé en bas là, si, tout en bas. Ah, c'est frustrant. Ah, c'est frustrant. Tant pis, je refais le chemin normal. On va voir si j'ai rien raté en avant. C'est parce que là, je tourne en rond. Au pire, on reviendra ici hein, si je trouve rien d'autre. On luttera une fois, mais ah, alors là. Alors là, mon petit gars, c'est pas possible. Ça, toutes ces chaînes, je peux pas les tirer, ça sert à rien, c'est pas des ennemis comme ça. Donc là, je suis arrivé. Je peux retourner en arrière comme un teubé. Ça, des gens qui prient, ok. Je peux pas prier avec toi. Non, donc... Et là, je suis arrivé ici, effectivement. Premier point, ça ramène de l'autre côté. Et ça, je peux pas l'activer. Ça, est-ce que c'était ouvert? Il n'y a pas un moyen d'activer cette porte. Parce que je peux rien déplacer, on est d'accord, je suis pas fou, je peux pas voler. Ben, Dedius. Est-ce que je vais réussir à finir un jeu sans me perdre une fois? Je suis d'accord que je voulais que le dernier épisode soit pas trop long, mais vu comment c'est parti, là, je vais en faire deux. Je vais devoir aller trouver une solution sur Internet, c'est pas possible. Pas possible, ça. Les points sont allumés. Là-bas, je peux rien y faire, en gros.
Donc là, ça m'avait ouvert cette porte aussi. Allez, non négligeable. Ça, c'est pas des points activés. Non. Parce que c'est des dieux quand même. Ça, c'est fermé. On va voir si on peut parler à la porte. Non, non. Porte, vous ne parlez pas. Deuxième dieu. Rien, rien. Là, verrouillé. Pas de questions à se poser. On va refaire un petit tour sur les notes musicales, ça nous détendra. Ou pas. Rien d'ouvert, de toute façon, ici, là, il n'y a pas de son, il n'y a que dalle. Y a que dalle, on est d'accord. Ça, c'est pas un chemin. On est d'accord. Ah bah, rien. Donc là, je suis désolé, à part revenir en arrière. C'est quoi dans la neige et des rochers là-bas? C'est pas un chemin non plus. Il m'en manquait une. Bon, j'ai voulu changer d'air pour voir. Putain, pour une fois, j'ai vraiment voulu faire style. Ouais, la blague changer d'air, mais non, on aurait juste dit que. Putain, mais je suis mauvais en plus. On aurait juste dit que je reniflais, en fait, c'était dégueulasse. Que voulez-vous? Que voulez-vous? En plus, on sent que je suis, j'ai pas de monkey, mais que le nez il est un peu obstrué. Je dois parler un peu comme un canard. Ou comme un connard, ça c'est certain. Et j'aurai pas le dernier, mais je suis trop mauvais, vas-y. On peut pas tout rater en une fois, hein. Alors, tu reviens, tu fais une fois le bien le tour et tu fais pas chier. Bien d'accord que ça fait rien. Parce que ça tombe, il y a un air à faire et j'ai pas grillé. Vas-y, on va remonter en haut. On va revoir, hein, je suis désolé, mais. Backtracking. Oh, les poissons gelés! Les pauvres petits pichons! Il n'y a pas une plateforme qui s'active. C'est moi, Eh bien. Pas d'indice, rien, on est d'accord. Examiner. Au Cosmo. Ok, alors il va tout ce qui est, ok. Non, en fait, ça, on, tous les coups, on l'a déjà lu, hein, mais c'est pour voir s'il y a un truc, un nerf qui voit un truc bizarre. Elle exécute à quatre passées. Ok, du sud, de l'est et de l'ouest. Ouais. Non, je voulais pas relire, je voulais faire un saut, voir s'il n'y avait pas quelque chose de particulier, mais non, non. Rien. Donc de l'autre côté, le truc là-bas, on l'avait déjà activé. Ah, il y avait une porte ici, bah oui. C'était du backtracking dégueulasse, c'est ça. Autant pour moi. Quoique, je suis sûr de pas être passé. Oui, il me semble pas. Oui, je suis pas passé. Ah, toujours été mauvais sur le backtracking. Bon, je présume que c'est un de vous le premier. Oh. Bah voilà, en fait j'ai presque envie de dire. Bah oui, bah ah non. C'est un autre truc, je voyais le logo juste avant moi. Donc deux ailes. Et voilà, bah oui. Donc c'était même pas des portes, c'était des interrupteurs, c'était. Qu'est-ce qu'il que ceci? Salle d'entraînement. Il ne reste plus que nous deux à présent. Oh les malheureux!
Ça c'est triste, j'espère que vous étiez... Non, rien, parce que... Peu importe ce que je dis, ça peut être mal interprété. J'espère que vous étiez amoureux, voilà. Même pu faire une blague bison. Ok, donc ça s'ouvre devant moi comme ça. Ok, c'est parfait. Que demande le peuple? Ah, ok, ça c'était donc au-dessus de là où je me demandais pourquoi la porte elle s'ouvre pas. J'essaie de passer par-dessus le mur. Donc je vois à peu près où c'est. C'est très bien, suite logique. Il y a quelque chose, j'avais pas dû faire attention et voilà. Ça ne s'ouvre pas, hein. On regarde quand même au cas où. Ah, ça veut dire qu'il y aura vraiment de nombreux backtracking, ça c'est pas cool. Ce sera une balade. La balade des gens. Ou la balade des Dalton. De Lucky Luke! Je me rappelle plus de l'air. Mais je me rappelle que j'adorais ce film quand j'étais gosse. Vraiment, les tout premiers Lucky Luke, les films, hein, pas les séries et tout. Après, je juge pas les séries, je les ai pas regardées. C'est juste, j'avoue que c'est leur patte graphique, là, on tournait vraiment dans de l'enfantin et je trouvais ça un peu niaisant, t'as vu, ou niaiseux, à toi de voir, hein. Un peu niais, même si tu veux. Nya, 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 Bunny hop. Youha. Donc normalement c'est là. J'avais pas. Pas toujours avoir tort, voyons. Et donc, au pire, si je retournais au truc de glace, là je ressauterais à partir du pont, on se rappelle. Pylône de glace. Les pépés. La règle des 3P, pain, pâte, pizza. On la connaît, le meilleur régime au monde. Et je pourrais même, tu pourrais rajouter pâté comme un salaud. Pâté! Bon, il y a peut-être moyen de sauter, mais je vais d'abord aller voir au bout. Là, ça s'ouvre. Oh non, tu vas pas me dire que tu me refous encore face à une porte. Non, tu as... Ça, c'est quoi? C'est censé être une clé, non? Oh non, ça passe en plus. Et oh, vous cherchez votre merde, là, les gars. Attends, apparemment, pas besoin de sauter avant. Il y a moyen de prendre de l'élan. Ouh, je veux y arriver. Allez! Putain, là, je suis d'accord que marcher sur une poutre en bois, tout ça, c'est compliqué, mais là, le truc, il fait 1 mètre de large. Ah là 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 là. Alors là, tu vois, mon nez se bouge tellement tu me dégoûtes. Uber. Oh, mais c'est pas ça que... Ah non, mais je vous jure, parfois il y a une maniabilité qui est un peu dure du cul quand. Non, bah tant pis, on peut pas, voilà, c'est réglé. Mais c'est sûr, encore une fois, vous m'amenez dans un cul-de-sac, je vais devoir refaire le tour de l'île là. Chier. Parce qu'il y avait une autre pierre qui s'est allumée. Ouais, attends, je raterai entre deux, hein, c'est que des escaliers. Au pire, je ressaute, hein, on est d'accord. Ça montait là, ça montait, ouais, c'est que des escaliers. Il y a une autre pierre qui s'était allumée ailleurs. Bon, est-ce que c'est pas le moment de retourner à notre échelle qui menait à rien là, je sais pas quoi. Bon, on va repasser par là du coup. C'est comme jouer à Mario Kart, t'as vu, on fait en mode verso. Miroir, excusez-moi. Ok,
C'est exactement là que je voulais revenir. Mais du coup, est-ce qu'il y a une pierre qui s'allumait quelque part dans les environs? Une pierre porte, t'as vu? Bah que dalle, hein. Bah non, bah que dalle. Ouais, j'ai... dégoûte ce truc là-bas! Rien, on est toujours d'accord, rien. J'ai même peur, je vais le faire, mais j'ai même peur de regarder. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 35 minutes. Hein. Je vais pas faire un épisode. Bon, au pire, ce sera un épisode long, et voilà, tant pis. Hein. J'ai pas d'autre solution. C'est pas ici par hasard. C'est pas illuminé cette porte. La porte là-bas, elle est pas illuminée. Ça, c'est quoi là-bas? Ouais, non, je vais juste refaire le tour et me retrouver comme un con. Ouais, là, c'est là où ça monte, il n'y a rien entre deux. Bon, comme d'habitude, pour évacuer la frustration, un petit tour de notes de musique que je vais rater 5 fois. Parce qu'on ne sait jamais. Ça permet de regarder en bas s'il n'y a rien activé. Que dalle, que dalle. Bon, ben, on refait le tour complet, hein, pour changer. Là, oh mon Dieu. Heureusement que j'ai décidé de refaire le tour complet, hein, mais... What? Là, ça fait pas galérer. À la fin, je vais finir par connaître l'endroit par cœur, tu vois. Lorsque le Créateur créa le monde, il réveilla les dieux pour qu'ils prennent soin. Ils en prennent soin. Tout d'abord, il avança le veilleur du voile, nageant haut dans les cieux. Un puissant gardien contre l'illimité. Oh oui, l'illimité, limité. Non mais c'est pareil, j'ai jamais mis de l'apostrophe. Ils mettent beaucoup de l'apostrophe dans le jeu. Effroi. Chantant éternellement des chants apaisants à la grande rêveuse afin d'éviter qu'elle ne se réveille de son rêve de monde. Ok, ouais. Et du coup, rien activé, c'était juste pour lire. Tout ça pour lire. What? Non, putain, j'ai galéré à trouver cette porte, tu vas pas me dire que c'est juste pour ça. Attends. Et ça fait pas que lire. Y a rien d'autre. Pièce est vide. On est d'accord, rien derrière ça, rien. Est-ce que c'est une lecture qui était scriptée? C'est quoi le truc? C'est quoi le délire? Bon, bah, on repart sur l'idée de base, on refait un tour complet. Hein. Et de gauche à droite, d'avant en arrière et de haut. Ta. Les pigeons sont toujours enfermés. La cause animale, on s'en fout. Le pire, c'est que des trucs comme ça m'est déjà arrivé. J'ai, comment dire, une sorte de truc qui ressemble à, allez, on va dire, l'équivalent d'un double bocal extérieur avec un poisson dedans. Et c'est déjà arrivé que ça gèle l'hiver. Et en mode, le poisson, il est sous la glace, mais il en a rien à foutre, t'inquiète pas, il survit. Hein. Il a son oxygène, il a sa bouffe. Et à des fois, je me disais, mais putain, il est sous une couche de glace, mais... Il y a encore de l'eau dans le fond ou c'est que de la glace ce truc? Il n'y a pas de nouveau logo, le logo je l'ai fait, ça c'est fait, là rien de neuf. Et j'avais dû partir par là la première fois du coup, donc j'ai rien oublié d'activer, un petit chemin, j'en sais rien, ça faut grimper dessus. Je sais pas, je sais pas. Hypothèse, t'as vu? Et je peux plus les désactiver, du genre si j'ai envie de changer le truc, vas-y. Les portes, elles se referment. Si je leur mets, vas-y, ça fait quoi? Attends, vas-y. Bah, logiquement, j'ai pas envie de détruire le truc, quoi, y a rien derrière. Y a rien derrière en plus. Oui, il y avait peut-être un autre logo que j'ai pas grillé.
J'espère que c'est pas ça, que c'est pas un logo que je dois trouver de je ne sais où. Là-bas, c'était fermé. Ça, y a rien à faire, ça, c'est inutile. Donc j'ai ouvert cette porte, je me suis retrouvé là, bien, bien, bien. J'ai activé ça, bien, bien, bien. Et à partir de là, ben, il n'y avait rien de neuf. Hein. Ça représente quel logo, ça? Il y a deux traits. On va voir si je peux refaire ce logo. Je suis pas sûr, mais on va revoir. Vas-y. Pas de logo sur les portes. Parce qu'après, d'un côté, si elles se referment pas, les portes, on s'en fout. Vas-y, on va voir ce que je peux faire. Ça, je l'ai pas vu. Limite, y a que celui-là que j'ai vu. Vas-y, vas-y. Hop. Pourquoi des fois il tourne tout seul? Vraiment pas. Après, quelque chose me dit que ça, normalement, je suis pas censé le toucher. Une fois que c'est déverrouillé, l'énigme, elle est. Attends, on va voir s'il y a une symbolique. On va prendre tous les trucs en pique, là, je sais pas quoi, un peu pentagonal. Vas-y, attends, on va revenir sur toi. Non, mais voilà, regardez, il retombe tout seul. Un truc qui pourrait aller dans la longévité de ces carrés. Au début, je voulais ça. L'autre. Vas-y, si on prend ça. Ouais, là, ça a l'air de rien activer, quoi. On va essayer les trois montagnes, on va essayer les trois montagnes, et sinon bah, je vais revenir sur le truc, c'est tout, hein, de base. Donc ça active quand même des trucs, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok, ça raconte juste l'histoire, mais ça active des trucs. Donc, hop. Je me suis peut-être planté un moment. On va essayer de les refaire. Toc. Ça pourrait aller avec quoi? Si j'essaie tous une fois à droite, par exemple, ça suit la logique, ils sont tous sur la même face. Ça, je dirais que non. Ça peut être. Ça activer rien. Non, au pire on va d'abord essayer de changer le milieu et on s'adaptera, voir s'il n'y a rien d'autre pour le milieu. Ça, voilà, on va y arriver, on va y arriver, bordel. Là j'en ai quand même activé. Il m'en manque un, il m'en manque un. Vas-y, donc toc. Donc il doit manquer celui avec ça justement, parce que ça je m'en suis pas servi, il me semble. Celui-là on l'a déjà utilisé.
pense que ce sera. C'était pas avec les montagnes, ça. On va voir, on va voir, on va voir. Voir s'il y a quelque chose de plus équivoque. Donc, ça, c'est les montagnes. Ah, si, si, ça a l'air plus intéressant. Ça passait pas avant. Bah voilà. Hop. C'est l'autre côté à tous les coups, ouais. Et là, le dernier. Voilà, maintenant que les 4 sont sortis, c'est activé quelque chose là ou. Parce que là, j'ai 4 régions. Bon, est-ce que je refoutrais pas en aigle normal au cas où, juste avant de me barrer? Bon, j'espère aussi que ça a ouvert les portes et qu'en mode elles se sont pas refermées ou quoi que ce soit. Vas-y, on revient sur l'aigle. Comme ça, et on va refaire un tour. Tout de suite, il y a une porte qui était là-bas. On va voir si ça a rien activé. Ça évitera de refaire 10 000 tours. Cette porte-ci ne s'est pas ouverte. Très bien. Là, rien ne s'est activé. Va bien. Bon, est-ce que ça veut pas dire que toute énigme peut être faite de manière différente? C'est ça aussi, parce que c'est cool, j'ai sorti tout. C'est merde, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Là, y a rien activé. C'est verrouillé, je peux pas pousser, je suis pas assez musclé. Ah, tu me diras, j'ai tordu plusieurs portes par la force de mon esprit. Je les ai faites plier devant moi. Parce que, ouais, à part les examiner, je peux pas les tourner ou les déplacer, il n'y a rien à faire. Il n'y en a pas d'autres de cachés. C'est pour ça que j'aurais espéré qu'après que les 4 soient sortis, que celle du milieu, elle bouge et basta. Parce que ça, c'est fait. C'est quoi, c'est. Non, je peux pas les refaire. Allons refaire un tour avant d'abandonner. Parce que je suis paumé, rien n'a activé. Et j'aurais peut-être besoin d'aide. Non, mais au moins dans le backtracking, normalement, ils sont censés le justifier. Là-bas, je suis allé lire, il n'y avait rien activé. Là, c'était juste les escaliers, les parchemins, donc on s'en fout. Ça part très mal. Pas d'autre porte d'activer ici. Là-haut, tout droit, ça s'est fissuré. Il y a un truc bizarre, non? Non. Allez, encore un petit tour pour le plaisir. Donc là-bas, c'est tout. On va quand même approcher la porte au cas où c'est un script en mode ouais, tu vois, tant que tu t'approches pas, elle s'ouvre pas. Non, déjà, c'est pas ça. Pourquoi on dirait qu'il n'y a qu'une lumière d'activée? Pourtant, j'en fais des efforts, les gars, là. Expliquez-moi. Bon, parce que j'ai d'abord pas envie de retourner là-bas. On va retourner vers la glace en premier. Là, toujours rien d'activé. Hein. Là, toujours rien. Examiner quoi, elle s'est fissurée.
C'est juste pour la lecture, t'as vu, marche bien dessus, on sait jamais. On sait jamais. Et un œuf sous le soleil? Il y a du soleil, là. Ça a vraiment été toujours le truc de la musique de bof, mais. Il n'y a pas de mais, non, en fait, c'est juste une musique de beauf, bordel de merde. Donc rien d'ouvert là, rien de cassé, t'as pas réchauffé. Tente le saut d'un coup! Olé! Olé, au point que je glitch. C'est quoi cette grande lumière là? Bon, c'est la porte par laquelle je suis arrivé. Ben, je crois que je vais devoir aller chercher une solution parce que je suis un peu paumé. Et à partir de là, vu que ben, l'épisode a pas mal duré, ben, je ne sais pas quoi vous dire. J'espère que je vais sauvegarder, que tout sera resté actif. Sur ce, des bisous. À bientôt et plein de bonnes choses pour un nouveau dernier épisode. On sait jamais, quelques secondes, vas-y, quelques secondes, on sait jamais. Il n'y a pas moyen de grimper dessus, je sais pas, il y a. Même si je grimpe dessus, une fois là où je ferai quoi, c'est ça le truc. Qu'est-ce que j'en ferai? Rien par là, rien par là. Ah, je sais que j'insiste, hein, mais. J'ai. Rien qu'il y a une solution, un truc qui tomberait, je me dirais, vas-y, vas-y, tant pis, l'épisode, il sera long. Et je peux pas faire long en tournant en rond, quoi. Et je me retrouve encore dans cette salle et là-bas y a rien. Vas-y, je vais refaire le tour vraiment jusqu'à l'entrée et tout, on sait jamais, hein. Après tout, la porte là-bas, je m'y attendais pas non plus, hein. Vas-y, on remonte là, y a rien d'activé, y a que dalle. Simulation de marche, ça me donnerait presque envie d'aller voir dehors s'il n'y a rien qui s'activait. À nouveau dans l'histoire ici, tout va bien. Ben, que voulez-vous? Il y a des moments dans la vie qui sont pas intéressants. Et ben ça en fait partie. J'ai pas envie de relire. Toujours rien derrière. Oui, j'en suis au point de faire le derrière au meuble, quoi. Tout ça pour pouvoir dire faire le derrière. Oh. Je te fais le cul. Il est très sûr que tu commences à t'endormir toi-même parce que tu commences à arriver à un mode wof, wof, ça je l'ai déjà fait 3 fois, non, je suis déjà passé 3 fois. Non mais de toute façon c'était la dernière fois que je refaisais tout le tour, donc voilà, il reste plus que la zone des tunnels qu'il faut que je refasse là. Des tunnels en escalade, sinon bah. Pour la prochaine fois. Vous n'allez pas me dire que j'ai fait tout le donjon comme ça, qu'il n'y a rien de plus à faire, qu'ils ont oublié de finir le jeu quand même. Ce serait inadmissible. Ben, ça va être la dernière montada. Pas la remontada, mais juste une simple montada. Ouh! Et ici, toujours rien. Bon, bah. Loin, rien, là, rien. En plus, je suis paranoïote. À chaque fois que je vois un dieu, je me dis, allez, il y a peut-être quelque chose. Il n'y a pas une plateforme qui doit se surélever. Que dalle, là, par exemple. Lui, il me saoule. J'ai envie de le buter. Il n'y a rien à faire avec toi.
Ah, j'ai espéré, j'ai vu une planche, je me suis dit, elle va s'ouvrir d'un coup, paf. C'est vrai qu'il y a un pont quelque part qui avait dû se recréer, il y a un truc qui s'est recréé, mais je sais pas où. Ça n'a pas changé de sang, je peux pas aller sur les côtés ou des trucs comme ça, on est d'accord. Ça, j'y suis déjà redescendu 3 fois. Et là, je remonte au truc de la vitre. Bon, ben, je crois que j'ai officiellement refait le tour. Donc, sur ce, moi, je vous fais des bisous, je renonce et je vais aller chercher la solution. Ciao à tous!